Bonjour tout le monde, on est toujours avec nos cours de la langue arabe. Donc aujourd'hui, on va voir NT. Donc si vous avez déjà vu le cours qui a pu précéder celui-là, eh bien vous allez comprendre mieux. Donc, on est toujours avec Damair al-Mukhatab. Donc imaginez que vous avez ici une fille par exemple. Donc une étudiante qui est comme ça, ok? Bon, il s'agit d'une étudiante. Et puis, bon, une étudiante qui s'appelle, bon, on va dire Mariam, par exemple, voilà. Donc, je vais écrire ça grand. Mariam, voilà. Mariam. Bon, Mariam. Donc j'enlève ce seconde qu'il y a au dernier. Bon, c'est pas un problème. Mariam. Imaginez, bon, un étudiant par exemple qui est là et puis il remarque que Mariam est une bonne étudiante. Donc c'est une bonne étudiante. Donc il va dire que Donc, il faut savoir que Mariam est directement devant cette personne-là, cet étudiant. Et il va dire à cette étudiante, Anti talibatun, talibatun, c'est-à-dire étudiante, mujtahidatun. Talibatun mujtahidatun. C'est-à-dire, elle étudie bien, ok? Donc, elle est une bonne étudiante. Alors, ici, Ad-Damir, c'est qui? Bien, Ad-Damir, c'est tout simplement Anti. Bon, je vais dresser ce fameux tableau qui est très intéressant et très important. Donc, comme ça, voilà. Alors, on a Ad-Damir Dalalatuh. Et puis ici, Nawuh. Nawuh. Eh bien, Ad-Damir ici, c'est tout simplement Anti. Donc, Anti, ça s'utilise pour qui? On voit bien que Mariam, c'est une fille, ok? Donc Mariam, c'est un nom féminin. Mu'annath. Donc ce anti, ça s'utilise. L'île, donc on va dire. L'île Mufrad, al-Mu'annath. Pourquoi je dis ça? Parce que, bon, Mufrad, c'est masculin, parce qu'on a une seule personne. Donc, dalalateux, ça indique qui ce anti? Ça indique bien sûr Mariam. Donc, Mariam, bon, vous pouvez écrire le mime de cette façon. Vous pouvez écrire le mime de cette façon. Vous pouvez l'écrire de cette façon. Vous pouvez l'écrire de cette façon, ce que vous voulez. Même de cette façon. Donc, Mariam. Nawuhu. Bon, il s'agit d'un, le type de ça, Damir Mukhatab. Bon, Sarah, il s'agit plutôt Maryam Mufrad Mu'annath. Bon, c'est un nom Mufrad Mu'annath, bien sûr. Eh bien, il indique Yadullu ala al-Mukhatab. Entre nous, ça c'est pas vraiment très intéressant. Ce qui m'intéresse, c'est que Anti, c'est l'île Mufrad, Al-Mu'annath. Ça c'est la chose globale. C'est le cœur que je veux que vous reteniez. Donc c'est ça, s'il vous plaît. Ça c'est très intéressant en effet. Bon.
Après, on va voir pour deux personnes, par exemple, pour trois et plus.